Salut tout le monde, bienvenue chez Trot Mary. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et sur cette vidéo-là, on parle de la Nami du magasin, qu'on a déjà monté la colonne juste avant. On a pu faire quelques tests. Bon, on n'a pas fait trop de tests parce qu'il y avait les roulements qui étaient pétés. Donc aujourd'hui, c'est l'épisode 1, on va changer les roulements. On pourra vous expliquer aussi un peu ce qu'on va faire dessus. On va mettre la batterie de la TV Run dedans, ça se trouve. Ou ça dépend, ouais, ce qu'on va faire. On va essayer de toute façon... Sur une autre vidéo, je ne sais pas s'il sera sorti avant ou après, on aura le démontage de la batterie de la TV Run. Bon, d'ailleurs, je vais mettre quelques images du démontage au GoPro ici tout de suite. Voilà, voilà, je ne vais pas vous en dire plus. Aujourd'hui, on attaque la Nami. On a Thibaut qui est là. Toujours chaud. Ouais, on commence direct avec changement de roulement. Allez, c'est parti. Bon Thibaut, c'était facile ou pas? Facile. C'est un grand mot. C'est un grand mot, mais c'est la V1 ça, non? Ouais, c'est la V1, ouais. C'était beaucoup plus facile que sur la V2 qui est plus lente. Ou non, c'était celui de Jérôme, là c'est V3 je crois. V3. Ouais. Oui, ça c'est la V2 à ce qui paraît, parce que la V1 c'est encore une autre. En gros, avec la V3, je devais avoir des outils pour sortir le roulement, pour démonter le machin, tout. Là c'était... Je démonte, je change, tac, je remets, je graisse. Ouais. Facile, rien n'est monté en force. Beaucoup plus facile. Tout en douceur. Ouais. Ah bah c'est bien. J'avais pas envie de le faire, je croyais que j'allais me tirer les cheveux à le faire, mais non, c'était tout seul. Ok. Bah en plus, c'est pas la première que t'en fais, donc forcément, voilà, l'expérience. C'est ça aussi. Donc voilà, on est à un moment, on s'est retrouvé avec toutes les Namis de Paris qui ont bouffé les fusibles, qui ont fait des trucs à gauche, à droite, je sais pas, voilà. Des fusibles. Des petits accidents, voilà, un peu de tout ici. Tu peux m'expliquer ce qu'il y a derrière, là, avec la petite roue là-bas? Ça? Ouais, vas-y, montre. On l'avait pas présenté aux spectateurs, ça. Non, c'est vrai. On dirait c'est une roue pour handicapés, en fait. Pour les fauteuils roulants. Exact. Voilà. Tac. Ah ouais. Qu'est-ce qu'on va faire dessus, là? Ah, attends, non. Qu'est-ce qu'on a fait dessus, déjà? Laisse-moi deviner, c'est pas un contrôle de Minimotor ça? Si. Les clients, ils voulaient plus de. Plus de patates. Patates, la vitesse, ils s'en foutent. Ouais, mais il a pu essayer ou pas? Ouais, il a pu essayer, il y a un peu plus de patates. Ouais. Mais il en veut encore plus. Bah, les gens, vous en voulez toujours plus, il n'y en a jamais assez. Je comprends. Bah oui. Moi, tu me fous dans un fauteuil roulant, faut que le fauteuil il bombarde. Ouais. On peut pas dire qui c'est, mais c'est un sportif. Faut que ça bombarde. C'est un sportif. Ouais. Il est en fauteuil roulant, mais c'est un sportif. Donc attention. Donc grosse batterie dans le futur, un petit moteur 14 pouces, un contrôle programmable et il va être content là. Voilà, Trotmary se lance dans les comment ça s'appelle ça en fait? Je sais même plus comment ça s'appelle. Les tracteurs? Ouais, je sais pas. Ouais. Bon, en vrai, dans les commentaires, si vous savez comment ça s'appelle, dites-le moi. Il y en a qui prennent des trottes directement, mais je sais pas, le client, il voulait pas. Il disait que c'était moche ou c'était mal adapté. Ouais, ça, c'est bien adapté pour. Et on verra ce que ça donne. On lui mettra des freins hydrauliques, on espère, avec la puissance que ça va faire. Un frein hydraulique suffira. Ouais. Parce
que là, ils ont deux freins. Ouais, il y a sur le même disque. Deux freins, un câble sur le même disque. C'est pas très utile, mais RPF Performance. RP Performance. Lui, il a le double frein aussi. Tu l'as copié ou c'est quoi? Eh oui. Ah, bon. Raphaël, inspire-toi. Hein, tu peux te lancer dans la mobilité. On sait où tu as volé la double frein, Raphaël. on te voit. Aujourd'hui, c'est pour parler de la NAMI. Donc, on est en train de réfléchir avec Thibaut là. Qu'est-ce qu'on fait par la suite? On a fait la colonne rabaissée. On a fait les roulements pour pouvoir la rouler tranquillement. Est-ce qu'on fait les suspensions? Ben, viens nous raconter les suspensions. On a pas mal étudié avec Jérôme. Les suspensions de Jérôme. On a des images d'ailleurs pour voilà. Ça. Bon, on va les balancer tout de suite pour voir imager un peu. En gros, ouais, sur celle du client, on a mis des amortisseurs plus courts. Tu saurais dire, toi, le millimétrage? Oui, ça d'origine. C'est d'origine, c'est 105, 165. Ouais. Et là, on lui a mis des 155. Ok. Que 1 cm en moins? Ouais, que 1 cm. Ah bon? Ouais, ça change beaucoup. Hein. Ouais, sur le visu final, ça change beaucoup et sur la conduite aussi. Énormément d'ailleurs. Ouais. C'est pour ça qu'on ne lui les a pas laissés. On les a mis et la trotte a pris un mauvais comportement. Ouais, commence à être bizarre, quoi. On devait se battre toujours avec la direction pour rouler droit, en fait. Ah. C'est pas reposant. C'est comme si... T'es stressé tout le temps, quoi. Ouais, c'est ça. T'es tout le temps obligé de rattraper la trotte, tout le temps. Et du coup, c'est infernal. Ouais. Bah, au bout de quelques jours, hein, le client il est revenu. Nous, on l'a remonté ses suspensions d'origine. Voilà, c'est ça. Et il nous a offert les suspensions. Et du coup... On hésite à le mettre ouais, ici. C'est ça. Pour de la piste, ça peut être pas mal. Mais vrai que pour tous les jours. Ou juste une avant. Pour une avant, tu vas plonger comme ça vers l'avant, non? Ouais. C'est bien ça? À voir. C'est bien, ça va te redresser ton ongle de chasse. Ouais. Et tu vas avoir une trottinette plus joueuse. Oui, oui. Si tu couches l'ongle de chasse, ce sera plus stable et... Voilà. C'est ça. Ce qu'on en a besoin, ça, c'est à définir. À définir selon vraiment le feeling de la personne. Donc, pour info, ne changez pas les suspensions d'un coup de tête. Réfléchissez avant. Avec les suspensions à 1 cm de moins et plus basse, la trotte, elle est moins stable, tout simplement. Mais après, il y en a... Pourtant, on voit en course, voilà. Ils n'ont pas de suspension, mais ils sont tous plus bas que d'origine. Exactement. Je crois. Et ils n'ont pas l'air de se plaindre. Si, moi, je les ai vus, hein. Ils n'ont pas l'air de se plaindre. Bah, je pense que c'est deux façons de conduire, hein, sur la route et sur la piste. C'est ça. Sur la piste, on prend plus de risques et tout est maîtrisé, donc ce n'est pas très grave. Puis sur la piste, on est toujours en attaque, du coup… Exact, on n'est pas en mode repos. Voilà, du coup, on se bat, entre guillemets, déjà toujours avec la trotte. Ouais, tandis on ne le ressent pas. Ouais. Ah. Tandis que bah, sur la route, tu es là pour kiffer, te promener et c'est vrai que ça a un impact, une influence. Ouais, c'est dommage. Pourtant, la trotte, elle était belle quand elle était rabaissée quand même. Moi, j'ai bien aimé comment c'est. Du coup, j'ai coupé la béquille. Ouais. Et maintenant, quand il la pose, elle est couchée au sol. Oh, c'est stylé. Ça, c'est un détail. Non, c'est beau. Moi, ah, c'est stylé. Ça me rappelle. Ouais, non, laisse tomber. Ils ne connaissent pas les mobilettes ici. Je ne sais pas, tu peux raconter. Nous, les mobilettes. Moi, à 14 ans, en Suisse, j'avais le permis de mobilette. Et le kiff, c'était de mettre la béquille la plus penchée. Ça t'arrive. Et tac, tu poses ta mobilette presque comme si tu l'as posée au sol, comme ça. T'as le carbu qui pisse de l'essence. Magnifique. Oh putain, t'as pris 10 ans là. Ouais. En racontant ça. Enfin bref, pour l'instant, est-ce qu'on lui met des moteurs qui sont là-bas, Thibaut? Qu'est-ce que t'en penses? À définir. Hein, à définir. Sympa, hein. Mais ouais. C'est vrai qu'on pourrait en faire la mascotte du magasin. Exact. En vitrine. J'ai envie de te faire une couleur dessus. Tu veux que je fasse quoi? Une rose encore? Non. Ouais. Non. Non, non, une rose, c'est difficile à matcher avec... Non, ça se trouve. Bon. Après, les Eh bien, on fait un pari. Une pari? Un pari ou une pari? Un pari. Un pari ou une pari? Je croyais que tu parlais de la ville de Paris. Un pari, vas-y. À combien de likes? Je la fais en rose, comme là-bas, la config roux. Alors ça, c'est toi qui sais les likes que tu veux. Pour non, quoi. Donne un chiffre improbable. Improbable, parce que t'as pas envie de le faire. Non, j'ai pas envie de le faire, c'est super galère. C'est très long à faire, vous savez pas. À 25 000. De likes, c'est beaucoup. Non, je pense que même pour aller gros, ils atteignent pas. Ah ouais? Non, vas-y, non, là 20, c'est pas fun. Là c'est 25, pas fun. 25, vas-y. 20? De toute façon, on va pas le faire. Donc. Un truc qui semble atteignable. Allez, je vais dire 1000 likes. 1000 likes. Le plus haut que j'ai tapé, je crois que c'est un quart. Mais t'es au courant que s'ils mettent 1000 likes à cette vidéo, ouais. Moi je paye des likes pour ta vidéo. Ah non, il n'y a pas de ça. Non, il n'y a pas de ça, il n'y a pas de ça, il n'y a pas de ça. Et tu dois te faire chier à faire un covering rose sur un truc. Fais pas ça. Ah, tu vas pas faire non, un covering. Non, fais pas ça.
Non, je sais pas ce que je vais faire. Peut-être... Non, ça va être galère à Ah, faire en sur les cover. tubes, c'est mort. Ouais, c'est mort. Je vais faire en peinture époxy. Hein. Ah, ça a coûté cher. Oh. Bon, Tu sais bref. quoi, j'ai vu une vidéo Big Stile hier. Ouais. C'est un rider en BMX, Ouais. hashtag Philippe Contenot. Et lui, il met une première couche de noir. Ouais. Après, il achète des. Non, t'es pas prêt. Quoi? Des calepins de feuilles d'or. Et il vient casser des Ouh! bouts de feuilles d'or comme ça. Ça coûte pas si cher, hein. C'est Tu sais, sûr, c'est c'est de très l'or, fin. hein? Oui, mais c'est très fin. C'est de l'or, Un hein? calepin, c'est genre 15 balles ou 20 balles, peut-être. Il t'en faut combien pour couvrir ça? Bah, je sais pas, mais c'est tellement stylé. Je te montre la vidéo après. Vas-y, vas-y. Tellement stylé. Vas-y. Et faire une trotte comme ça, c'est être vu, tu vois. Ouais, ah C'est parce ouais. que c'est bling bling, c'est beau, ça Bon, va à 1000 plaire. likes. À 1000 likes, À 1000 vas-y. likes, À 1000 1000 likes likes, on sur le cette fait. vidéo. Allez, je compte pas sur vous parce que je sais qu'on n'aura pas. Et on n'a pas envie de le faire. Compte sur moi pour payer des Non, non, tu ne feras pas ça. likes. En tout cas, là, c'était juste pour vous introduire le projet de la Nami qui va vraiment commencer. Voici la première épisode. J'espère que vous allez bien suivre l'avancement des travaux. Et je compte sur vous pour vous abonner, mettre les commentaires et liker la vidéo. Et on se retrouve pour l'épisode 2.